Cela fait plusieurs années qu'on nous répète que l'Europe est à la croisée des chemins. Et moi, j'ai quand même l'impression aujourd'hui que le feu de circulation est un petit peu en panne. On a l'impression que le feu est bloqué sur rouge. Alors qu'en cette période de crise économique, il serait particulièrement important que le mouvement européen et l'ensemble des mouvements européens au niveau international soient présents, puissent exprimer quelque chose, puissent se faire entendre sur la scène française et européenne. Alors, dans ce contexte, il me semble important de mettre en place un certain nombre de réformes pour le mouvement européen France, à l'image de ce qui a été fait dans d'autres pays et dans d'autres mouvements européens. Et par exemple, des réformes notamment qui nous permettraient d'être plus ciblés, d'avoir des actions plus ciblées, une communication plus ciblée en fonction de nos différents types de publics, que ce soit les adhérents individuels, le grand public aussi, on va dire, les associations nationales membres, et puis bien sûr les médias et les politiques vers lesquels il faut qu'on arrive à faire passer un certain nombre de messages. Alors dans ce contexte, moi j'ai décidé de m'engager aux côtés de Christian Philippe parce que je pense que son sens de l'écoute, sa bonne connaissance aussi de notre organisation et sa connaissance, bien entendu, sa bonne connaissance du milieu politique, que ce soit avec ses connaissances tant à droite qu'à gauche, en respectant l'aspect transpartisan de notre mouvement, pourront faire en sorte que nous mettions en place ces réformes et puis que nous allions plus, que nous soyons plus présents auprès des politiques sur la scène médiatique pour faire passer ces idées.